Né à Cuba, installée à Lisbonne après un long séjour parisien, la Cap-Verdienne Meira Andrade est ce qu'on appelle une citoyenne du monde. Alors lorsqu'on lui glisse La Réunion et son métissage à l'oreille, la chanteuse, qui est déjà venue 4 fois sur notre île, approuve. Je pense que l'île porte très bien son nom. Les Cap-Verdiens sont un peuple métissé, on est le premier peuple créole au monde. Donc je me sens très chez moi ici. Hier, quand j'ai fait une prestation privée, j'ai demandé s'il y avait des Cap-Verdiens. Personne n'a levé la main et j'avais l'impression que les gens rigolaient en fait, parce que j'avais l'impression que c'était tous des Cap-Verdiens. Et moi, je passe pour une Réunionnaise ici aussi, donc c'est assez... je me sens très accueillie, je me sens très chez moi ici. La trentaine et déjà 5 albums à son actif, Meira Andrade n'est pas peu fière de nous parler de son dernier opus, Manga, un album afro-contemporain. Il y a énormément d'influences de l'afrobeat, du Nigeria, du Ghana. Il y a mes racines capverdiennes et puis il y a mon histoire qui s'épanouit, qui trouve d'autres manières de s'exprimer en tant que femme, en tant qu'artiste, 34 ans, 5 albums. Je trouve qu'on se rapproche de plus en plus de soi-même quand on est attentif à ça. Rendez-vous est donné, c'est ce soir à partir de 20h que la Cap-Verdienne mettra le feu à la poudrière.